Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui tient à cœur pour pas mal de personnes, les douleurs, notamment les douleurs articulaires. Quelles sont les solutions naturelles? On va voir en pierre et également en plante. L'idée étant de pouvoir en fait associer, c'est ma grande passion, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, le minéral et le végétal pour décupler les effets, pour travailler sur le corps et sur l'esprit. On va d'abord voir ensemble les différentes pierres qui permettent de soulager les douleurs principalement articulaires. On va associer trois pierres. L'œil du tigre, souvent que vous connaissez, l'œil du tigre est une pierre qui aide en fait à retrouver force et courage, qui aide en cas d'essoufflement, qui aide en cas en fait de douleur. Alors elle va surtout fonctionner la journée, l'œil du tigre. La nuit, on lui préférera notamment une malachite qui va contenir du cuivre. Vous pouvez être en pierre la nuit sous l'oreiller. Voilà. Parce que le corps va être plus détendu et la journée, on est sur une pierre plutôt solaire qui va nous donner en fait de l'énergie et qui va aider à vraiment enlever en fait le côté inflammatoire. Donc l'œil du tigre. Ensuite, on a la tourmaline noire. La tourmaline noire qui est une pierre d'ancrage très forte qui a pour fonction en fait de redescendre les énergies au niveau des pieds, de rendre à la terre. Ici, l'objectif, c'est de prendre toutes les douleurs en fait du corps et de les renvoyer à la terre, de redescendre en fait celles-ci pour aider l'organisme à se détoxifier aussi. Ça, on va le voir après pour les plantes, mais c'est beaucoup en fait les déchets de l'organisme qui se mettent dans les articulations qui provoque la douleur. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler en fait là-dessus, voilà, et de redonner, comme je disais, en fait de l'énergie parce que les douleurs, bah, ça fatigue, clairement. Et ensuite, on a l'azurite malachite qui, tour à tour, vous voyez, va être bleue, verte, en fonction, voilà, des perles, on a les deux couleurs, mais parfois, elles ont, voilà, un petit peu plus de l'une ou de l'autre couleur. Alors, l'azurite malachite, bah, on réunit en fait les vertus de la malachite, comme j'expliquais, qui contient du cuivre, qui est verte et qui va soulager les douleurs. Donc, on est principalement sur le corps physique. Et ensuite, on a le lapis lazuli, qui est une pierre bleue, qui elle va plus jouer dans l'état d'esprit, la libération en fait émotionnelle et jouer sur la douleur psychosomatique. Alors, je sais que quand je dis ça, souvent on me dit « Ah, mais ma douleur, elle est réelle, elle n'est pas psychosomatique. » Oui, je sais, mais l'esprit va faire en fait en sorte de se fixer et le corps en fait est en rétention, ce qui fait que ça accentue encore plus les douleurs parce qu'on relâche jamais. D'où le fait que j'aime bien vous conseiller à côté même des huiles essentielles quand vous venez voilà en boutique pour pouvoir aussi bah, aider le corps à relâcher aussi entre deux. Donc là c'est un combo vraiment idéal. Donc là on a vu ensemble les trois pierres qui vont vous aider voilà, dans les douleurs, soulagement des douleurs principalement en fait articulaires, donc à porter la journée. Et je vous conseille une pierre de malachite la nuit sous l'oreiller. On va maintenant voir les plantes. Quelles plantes peuvent vous soulager au niveau des douleurs articulaires? On va avoir une combinaison ici de bourgeons. On va avoir quatre bourgeons en fait mélangés avec le principal, le cassis, l'anti-inflammatoire, vraiment qui va aider à la production en fait naturelle de cortisol, qui a vraiment des super effets au niveau du corps physique sans avoir les effets en fait secondaires négatifs de la cortisone. Donc ici, il peut remplacer en fait avec succès tout simplement les anti-inflammatoires, surtout quand ça passe plus. Voilà, vous avez notamment bah, l'estomac qui accepte plus du tout les anti-inflammatoires. Et eh ben le cassis, il va aider. Alors, on va être sur une combinaison en fait de bourgeons. On est quand même sur des plantes voilà assez fortes. Principalement, on prendra le matin. Alors, ça se tient puisque souvent, c'est le matin que vous avez mal puisqu'on remet le corps en fait tout simplement en mouvement. Au niveau des gouttes, mais je vous mettrai le détail comme d'habitude juste en dessous de la vidéo, on peut aller de 5 à 15 gouttes. Alors, le plus souvent, on est sur 15 gouttes, hein, on ne va pas se mentir. Voilà, quand vous faites cette cure, c'est qu'il y a des douleurs. Donc, on va être au plus efficace. Voilà, vous pouvez prendre les 15 gouttes le matin. Ou vous pouvez, si vraiment c'est des douleurs voilà, toute la journée, eh ben on peut faire 5 gouttes le matin, 5 gouttes à peu près le midi, mais toujours à un quart d'heure du repas. Et puis, on peut refaire en fait 5 gouttes en début d'après-midi. On évitera après 17 heures puisque le cassis
étant naturellement plein de vitamine C, bah, il va pouvoir en fait un petit peu, pas exciter l'organisme, mais nous tenir éveillés. Donc si vous cumulez avec des problèmes de sommeil, ça va pas être terrible. Donc c'est plutôt le matin. Ensuite, on a du pain. Le pain, lui, il va reminéraliser l'organisme, très important, puisque quand on a des douleurs articulaires, on a des problèmes aux articulations, eh ben, on perd en fait tout simplement les minéraux. Il y a le foie voilà, qui est prédominant aussi et qui a tendance à plus bien faire le travail. Donc ici, l'objectif, c'est de régénérer aussi le cartilage, de combattre en fait l'usure. On va agir dans tous les cas d'arthrose, bah, principalement le cou, le genou, la colonne vertébrale, le dos. Voilà, on va avoir avec le pain une action également anti-inflammatoire qui vient confirmer celle du cassis. Voilà. Ensuite, on va avoir de la vigne. La vigne, connue pour la production voilà, de raisins. Alors ici, on est sur la vigne qui n'a pas du tout été taillée. Hein. Là, on est vraiment sur la liane de départ, qui va aider aux cellules productrices, tout simplement des os et des cartilages. Donc comme je disais, l'objectif, c'est pas uniquement un anti-inflammatoire, c'est vraiment dans la longévité en fait de récupérer. Alors vous n'allez pas retrouver, c'est sûr, des os, des cartilages et des articulations de vos 20 ans, mais l'objectif, surtout si vous avez tendance à vous déminéraliser, et bah, c'est d'amener ces apports en fait naturels pour que, bah, voilà, au pire, entre guillemets, ce soit ces apports-là qui partent, on arrête de taper dans les réserves. Ici, on va être à nouveau dans une aide en fait au niveau bah, anti-inflammatoire la vigne, elle va surtout aider pour les cas en fait de déformation. Vous avez tendance à avoir des déformations articulaires et dans tout ce qui est rhumatisme articulaire en fait aigu. Donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est aussi voilà de récupérer en fait et de régénérer. Et ensuite, on va voir du bouleau. Le bouleau, souvent vous connaissez parce qu'on fait des cures principalement au printemps pour nettoyer en douceur le foie. Bah ici, le bouleau en bourgeon, ça va être beaucoup plus efficace. L'objectif, c'est de retrouver de la souplesse et ça va être d'activer l'élimination des déchets. Comme je l'expliquais, c'est ça en fait qui vous fait mal. Ça va agir en même temps sur l'acide urique, sur le cholestérol s'il y en a. On va être sur un draineur général du foie et des voies urinaires parce que l'objectif, c'est de déblayer en fait ces déchets. Mais c'est aussi que votre corps, il les élimine et ça va permettre ainsi d'avoir bah, vraiment un résultat en fait durable. Notamment, ça a été acté sur la polyarthrite chronique évolutive qui est quand même pas voilà, de la petite douleur non plus. Donc comme je l'expliquais, avec une bouteille, vous êtes quoi tenir en fait 3 mois et on fera des pauses. Je le prends la semaine, je le prends pas le week-end où je fais 3 semaines de prise, une semaine de pause et ça va permettre voilà, d'activer. Donc soit avec les petites pauses, vous pouvez faire en continu, soit on peut faire à chaque changement de saison. Ou bah, de temps en temps, si vous savez que dans la famille, il y a déjà en fait des fragilités au niveau articulaire, on a tendance à se déminéraliser. Alors déminéraliser, ça peut même être perte de cheveux. Enfin voilà, n'attendez pas pour voilà vous reminéraliser. J'espère vous avoir éclairé. Vous pouvez retrouver donc juste en dessous de la vidéo le lien vers les pierres, vers les plantes et vers la box en fait complète. Articulation. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.